Bonjour. Le décompte saute, bloqué entre 1 minute 34 et 24 et... Ah bon. Je suis tombée, parce que je Ah, suis tombée droit dans sa vie. j'écoutais Et il y Maudit. a sur Ah, les ah. couloirs. J'écoutais les 10 ans de Maudit. Attendez. Je vais enlever le son. C'est possible. Parce que c'est 12 bis qui s'en charge. Donc c'est possible que le décompte foire. Bon, on est dedans direct, hein. J'ai pas préparé mon deck, bien sûr, parce que à quoi ça sert? Il y aura moins de ASMR de clavier d'ailleurs. Féliciter les capacités à ne pas faire de l'ASMR de clavier. Mais il faut d'abord que je remercie le Docast qui a fourni à la chaîne un compte Blue Sky, bien entendu, pour pouvoir Blue Skyer. Au cas où Twitter explose. Donc, je vous envoie tous les liens. Donc, j'ai mis le Ko-fi. Donc, si vous avez la possibilité de donner économiquement au Docast, il y a son Linktree aussi. Et bien sûr, le lien de la discussion avec l'anti-stream sur le psy-validisme. Alors on est en 720p source 30 fps normalement. Ça n'a pas changé. C'est possible que ce soit de ton côté, mais du coup n'hésitez pas à me dire les histoires de compatibilité comment ça s'appelle de si vous avez du mal à capter avec vos réseaux. Histoire C'est fait. que je fasse des choses pour ça. Bon alors je vous rappelle, on est dans le rendez-vous de Bois-Gilet. Donc on est au deuxième passage de Bois-Manteau. Alors je vais vous montrer dans la carte du monde, comme ça va être simple. On doit passer à Bois-Manteau, mais en fait Bois-Manteau n'était pas Bois-Manteau. Donc on est rentré dans Bois-Manteau, qui est maintenant Bois-Gilet, que j'ai renommé Bois-Gilet, parce que après un manteau c'est un gilet. Et du coup, il y a peut-être bois t-shirt ou bois chemise quelque part. Donc on va aller voir. Mais là, on est en train de se débarrasser des araignées. On a déjà fait ça. Donc la ruche, j'imagine. On y est allé direct. Mais on avait un deuxième rendez-vous. Je sais plus avec qui. Ça va. Un peu fatigué. J'ai pris un peu de temps pour configurer Blue Sky. C'est-à-dire mettre une image et un fond et envoyer un post, c'est-à-dire ne pas dire bonjour quoi, comme toute personne sur tous les réseaux, bien sûr. Voilà, c'est tout va bien. J'espère que toi aussi, Clément, tu vas bien. À part que voilà, on est mort 9 fois avec Roland de la Tour Bresson, donc ça va relativement en fait. Sachant qu'on a une team sans enchanteur, alias prestidigitateur, alias Jean-Pascal. Lol. Oh, j'ai honte. J'ai très très honte d'avoir cette règle. Je me cancelle moi-même là sur le coup. Attendez, je vais enlever le HUD, tiens, en passant. Je crois que je peux faire ça, comme ça. HUD off. Ah bah non. Ah bah non, faut que j'aille sur Stream Deck, mais j'ai la flemme, donc accepter qu'on voit tout. Ah! Ah! Quelqu'un est décédé ici! Est-ce que c'était ça qu'on cherchait? Je ne sais pas. Armure de cuir, on s'en fiche. Bah attendez, on va regarder, puisqu'on a un journal. Donc, les possessions. L'Andrin, c'est toujours pas fini. Des araignées de bois menton, c'est bon. L'histoire du... Ah oui, Capitaine Brage, on l'a toujours pas trouvé. La rumeur... voilà, de Capitaine Brage. Il y a le... Voilà, il y a Dorn qui a une quête, mais on va garder Dorn pendant un moment. Voilà, la cape de Gurk, on l'a trouvé. Ça, c'est bon, faut juste l'identifier. Les demi-ogres chez Aberyghost, mais je croyais qu'on s'en était occupé, mais apparemment. Ah oui, c'est à l'intérieur de Beregost. Basilus le meurtrier, est-ce qu'il a bois manteau? Non. Un livre? Ah oui, c'est peut-être que ça. Non, Beregost aussi. Donc là, pour l'instant, on est... Bah, du coup, on a tout fait.
Oui, une tâche facile. Je comprends pas. Est-ce qu'on reste à Bois-Manteau? Parce que c'est peut-être se faire bomboclate avec tous les pièges et les araignées qu'il y a dans le coin. Mais vu qu'on s'est débarrassé de la ruche, est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Donc oui, voilà, on joue bien sûr à Baldur's Gate GOTY Edition, alias celui qui a créé le GOTY 2023. Je ne comprends pas la hype, hein. Il faut quand même avoir une hype de 97 à 2023, hein, je serais en précisé. Hein. À la limite, Half-Life, je comprends. Counter-Strike, je peux comprendre. Mais par contre, ouais... c'est très punitif, moi, je trouve. Regardez-moi ça, c'est pas possible, hein. C'est très punitif. Et en plus, on peut pas... Ah bah, regardez. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je n'ai plus de place pour avoir une potion d'antidote. Comment je fais? Est-ce que j'ai une potion d'antidote déjà? Oui. Lance la potion. Prends la potion. Bois la potion. Enfuis-toi de la potion. Ah bah, elle est décédée. Ah bah, voilà, bah, voilà, bah, voilà, bah, voilà, bah, voilà. Ah là 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 là. Vous n'avez rien vu. Je rappelle que les décès ne sont comptés que pour Roland de la Tour Brosson. Ah oui, Clem Lelu, vu que tu viens d'arriver, est-ce que tu veux que je te raconte la biographie de notre cher Roland de la Tour Brosson? Que je ne l'ai pas modifié la dernière fois, mais parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Donc, Roland de la Tour Brosson n'a d'histoire que son nom. Pourquoi Gorion se prétend mon daron et m'impose de récupérer sa thune? Louche, je dirais. Quincy est officiellement mon ennemi juré. Je crois que Quincy est mort juste après, mais je suis pas sûr. Même pas sorti de Château Suif, qu'un... oui. Deux ou du... Ouais, bon, deux. Qu'un groupe de... D'ailleurs, il y a une faute, là, aussi. Qu'un groupe de mercenaires tente de m'assassiner, sans doute une perfidie de Gorion. Incroyable! Gorion a perdu la vie dans le combat contre les mercenaires. Il est possible qu'il m'en voulait moins. Un avis de recherche a été établi. Je suis décédé plusieurs fois devant l'auberge de Brapa Amical. Un étrange phénomène me fait revenir. Magie! Ce n'est pas que moi. Jaira et Khalid aussi reviennent après être décédés. Seul Imoen n'a pas de problème autre qu'ouvrir des coffres. Nous sommes arrivés à Berigost. La moitié n'est pas praticable. D'ailleurs, ça a un peu changé, ça. Enfin, pas vraiment, mais voilà. Nous sommes arrivés à Berigost. La moitié n'est pas praticable des gens se battent dans les rues. Là, il manque car. Landrin nous a piégés. Je soupçonne une araignée cachée dans un corps humain. Berigost est incroyable. Même les maisons ne sont pas sympas. Contrairement à Noubert, qui est un fan de la fandom... qui est un fan de la fandom de la Tour Brosson, rencontré sur un pont de Berigost, cela égaye ma vie. Alors, la phrase est très bizarre. Contrairement à Noubert, oui. En fait, c'est contrairement par rapport à ce qui se passe au-dessus. Cela fait longtemps que je n'ai écrit ici, mon cher journal. Sache que énormément d'aventures se sont déroulées. Mourir est devenu mon quotidien. Dernièrement, je suis mort après avoir rasé un camp de bandits en pénétrant une grotte. Imoen s'est enfui en me laissant décéder auprès des autres, j'aurais préféré qu'elle m'attende. Voilà. Donc on peut préciser maintenant, on pourrait rajouter. Nous avons rencontré plusieurs araignées à Bois-Gilet. Note à moi-même. Les araignées les araignées sabres, je crois. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était le feu à l'époque, mais il faut m'expliquer pourquoi. Les araignées sabres sont les pires. Sont les pires en animation en DPS. Il va parler comme un gamer, donc. Et en DPS. J'ai réussi... Et c'est là où on va placer la ref à Nagual. Parce qu'avec Nagual, on a trouvé l'étiquette. J'ai réussi à... qu'on peut mettre à Baldur's Gate. À utiliser... Enfin... Le... Tactical... Alors, attendez, tactical. Alors, comment c'était? Tactical sleep to heal pour gagner.
Enfin. Pour gagner, bien sûr, je vais préciser en embuscade, parce que c'est vraiment, on est vraiment à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en plus, on galère. Pour gagner en embuscade. Je n'ai plus de... je n'ai plus... d'antidote. C'est caché, ouais. Terminé. Terminé. Niveau... Ouais, mais niveau 1, en fait, c'est très très punitif. Tu n'arrêtes pas de mourir en boucle. C'était comme ça à l'époque. Sinon, t'as deux fautes à sortir... À sortir plus haut. T'as deux fautes. Oui, c'est possible qu'il y ait des fautes partout. Hein. En fait, c'est un jeu d'optimisateur, donc il faut qu'il soit très punitif. Non, mais... Est-ce qu'il est toujours aussi punitif avec le 3? Je suis même pas sûr. Hein. Bon, justement, moi, je crois que j'ai le Enhanced Edition. Donc, du coup, je dois avoir les DLC du 1, déjà. Et déjà, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Sachant que ça me fait chier déjà un peu d'optimiser constamment. Oh non! Des araignées. Et déjà, est-ce qu'on va faire le 2? Parce que je ne vais pas pouvoir... je ne vais pas pouvoir, comme on dit... Mon ordinateur ne subira pas les 150, les 450 gigas de du 3, hein, je précise. Même si romance, tout ça, c'est intéressant, ça peut être marrant si on joue romance. Mais Roland de la Tour Bresson, comme la plupart des personnes que je joue, sont pas très team rencontre. Donc, passons aux choses sérieuses maintenant. C'est par exemple Idriss Shepard. Mass Effect, Idriss Shepard n'avait pas essayé d'être uniquement collègue avec les gens. Et c'était compliqué, déjà. C'est fait. Le jeu nous amène à avoir des relations. Alors que, est-ce qu'on a vraiment besoin de relations alors qu'on est des militaires qui pratiquent des génocides toutes les 6 secondes dans Mass Effect, quand même. C'est un peu mon problème. Mais peut-être que j'y reviendrai. En vrai, parce que... En fait, ce qui m'a énervé, c'est qu'on avait un problème avec Tali, que j'avais bien aimé, en plus dans le 1. Et le truc, c'est que ce qui s'était passé avec Tali m'avait énervé. Et en vrai, c'est ça. C'est tu choisis entre Tali et les robots, là. Je sais plus comment ils s'appellent, les robots sentients. Oh non! Non, c'est une araignée géante, ça va. On va juste mourir. C'est pas grave. Roland La Tour Bresson, donne-nous de la vie, s'il te plaît. Et voilà, quoi, c'est compliqué. Ah oui, je peux lui faire peur. Ah, j'avais oublié que j'avais ça. Bon, on va lui piquer sa vie, déjà. Ah, ça n'a changé rien du tout. Humain, tu peux reculer, hein. Je pense qu'on va reculer. C'est comme si c'était fait. Est-ce qu'elle... Attends. Ah oui, elle est au bourdin en ce moment, c'est vrai, j'avais oublié, c'est toi. Du coup, maintenant les distances, c'est juste Imoen et moi. Roland de la Tour Bresson. Hello, Roland de la Souffritude. Bonjour, Nagual. Bah, du coup, on vient de rajouter, Nagual, justement, notre discussion mastodon dans la biographie. Je ne sais pas si t'as entendu la biographie, Nagual, mais... Voilà, je viens de rajouter, nous avons rencontré plusieurs araignées à Bois-Gilet, note à moi-même, les araignées sabres sont les pires en animation et en DPS. Le mec, totalement méta. J'ai réussi à utiliser enfin le Tactical Sleep to Heal pour gagner en embuscade, je n'ai plus d'antidote. Donc là, voilà, on finit les araignées de Bois-Gilet, qui est bien sûr la deuxième partie de Bois-Manteau. Et Nelintou, rappelle-moi qu'il faut que je te shotote tout à l'heure. Une tâche facile. D'ailleurs, shotote à tout le monde, hein. Je sais que vous participez grandement à beaucoup de modération. Cœur sur vous, la modo. Débout la dernière fois. Bon, voilà. Donc du coup, on en est là. Donc je vous montre sur la map, je remonte la map. On a fait Bois-Manteau, et maintenant on est à Bois-Gilet, que j'ai donc Bois-Manteau 2. Peut-être qu'il y a Bois-Manteau 3, mais ça va être du coup Bois-Chemise ou Bois-T-shirt, mais je pense que ça va être T-shirt. C'est fait.
On est cette team là. Hein. Mais non! Elle s'est téléportée! Il y a une porte dimensionnelle? Une araignée éclipsante? Attendez. What is this? Je suis tombé dans un piège en plus. Quel enfer. J'ai sauvegardé juste avant. Attendez, on va pas tomber dans ce piège. Faut qu'on augmente les spé de Imoen. Moi, Imoen, je m'en vais. Faut que tu découvres le piège. Oui, c'est Nelintou est dans le coin. Mais c'est Roland de la Tourbe Sombre, hein. C'est sa vie hein, d'être dans la souffritude. J'ai quelqu'un qui normalement, son taf, c'est de trouver ses pièges. C'est pas d'appuyer dessus. Bon, après, c'est une autre manière de trouver. On va pas lui en vouloir. Bon, allez, augmentez vos jets de sauvegarde, là, s'il vous plaît, merci. Là, je devrais avoir une musique, tu vois. Une musique d'attente en mode ah non ça c'est une musique connue, c'est pas une musique d'attente ça peut... est-ce que ça fait après c'est vrai que les musiques d'attente c'est considéré comme du jazz et tout mais en vrai ou de la bossa nova mais en vrai c'est de la très bonne musique hein, la bossa nova et le jazz Quand vous voulez, hein, le piège. Merci. Donc maintenant qu'on a fait sauter ce piège, je pense que c'est le moment de donner de la vie à notre cher ami. Voilà. Oui, bien sûr. Donc on a une araignée éclipsante, c'est-à-dire une araignée qui traverse des portes dimensionnelles. Incroyable. Allez, hop. Bombo claté là, regardez. C'est pour ça que j'ai fait la forme tactical de... Il va me falloir un gars. Ce serait bien de sur lui par contre. Toujours essayer. Mais il va décéder. Bon allez, on recharge. Ne regardez pas. Hein. C'est pas du tout c'est ce que fait. Vous croyez. Donc, l'idée, c'est que là, c'est la technique de la boule D. Regardez bien. Quelqu'un au milieu. Et c'est Roland de la Tourbrosson en général. Mais voilà. Oui, bah c'est ça, c'est Advance en plus, c'est Advance Donjons et Dragons. Donc en vrai, niveau 1, tu décides. Et je ne comprends pas comment tu peux rentrer dans ce jeu en te disant non mais ça va, tout va bien, je vis bien ma vie, le monde n'est pas hostile, je vais continuer à jouer. Alors du coup, je ne sais pas combien de temps j'ai joué déjà, c'est déjà beaucoup trop. Je vais faire un truc, je vais, en fait, voilà. Voilà. Je ferai de mon mieux. Je fais mon cac. Va au cac. Lancez-moi tout ce que vous avez sur cette araignée éclipsante. Moi, je veux qu'on extrait son potentiel. Bon, peut-être pas les venins, ça sert à rien. On va essayer de lui faire peur. Bon, apparemment, on peut pas lui faire peur. On va lui lancer tout ce qu'on a pour faire comme si on réagissait bien. Mais tu vois, c'est l'époque, hein, 97, c'est Advance Donjons et Dragons. Je l'ai vu, là, je sais plus où, là, dans quelque part, il y a marqué Advance, je sais pas quoi. Ouais, ils nous mentent, c'est Advance. Donc je sais que c'est déjà la difficulté est pas la même. Donc est-ce que le GOTY de 97 est pas plus punitif que le GOTY de 2023? Mais est-ce... Ah d'accord. Donc elle peut l'utiliser jusqu'à la fin de sa vie, son pouvoir, là ? Par ici ! Ah non, c'est une deuxième. Oh, mais elles sont infernales. Ah, mais elles ont vraiment la possibilité de sauter partout. Mais qu'est-ce que c'est ? What the fuck ? What the fuck ? Tu es là, s'il vous plaît. Vite, rapidement. S'il n'y a pas le choix. Voilà. Elle est au milieu. Elle tape qui ? Il nous faut quelqu'un qui nous soigne, s'il vous plaît. C'est bon. Donc, niveau 1, tu débarques, tu sors à peine. En plus, j'ai pris la pire des combinaisons. C'est-à-dire que je me suis dit,
dans mon lore, moi je voulais être un demi-elfe tracker, chaotique bon, et en plus rôdeur. C'est-à-dire que je n'ai rien pour pouvoir faire quoi que ce soit. Mes statistiques de combat, bon, après j'ai eu des bons jets de en général, mais grosso modo je me tape à l'arc que longue et au bâton. Hein. Parce que dans mon lore, c'est ça, Roland de la Tour-Brosson a vécu dans une tour. Oui, bien sûr. Enfin, en bas des tours. Excusez-moi, attendez, je regarde. Est-ce que j'ai écrit ça au début de ma bio? Est-ce que je me rappelle plus? Non. Voilà, dans ma tête, en fait, il a la tour, Roland de la Tour-Brosson, qui est donc la référence à Roland Dark Tower, donc le personnage de Idris Elba. C'est fait. Dans Dark Tower. Avec le Shining, you know. Oh, maintenant, il y en a encore une autre. Je n'ai pas sauvegardé. Et bah, du coup, là, je lui ai dit, ouais, il a d'histoire que son nom, mais en fait, en vrai, déjà, le jeu ne prend pas ça en compte. Il m'impose Gorion, et en plus, si on rajoute un truc, c'est que, bah... Il n'est pas vraiment naquis, il n'a pas nacu en bas des tours, quoi. Salut Azure c'est à 77, I know. Nous sommes actuellement en train de tracher Baldurance. Voilà, on a gagné 1400 parce que cette araignée éclipsante est décédée. Et regardez bien, on a vraiment raté tous nos trucs, c'est vraiment l'enfer. J'en peux plus. Pourquoi? Regardez-moi ça. Regardez, raté. Ah, on l'a touché à 19 quand même, hein, c'est pas mal. Regardez-moi toute cette pause là, déjà c'est l'enfer. Je pense qu'on va jouer avec ça comme ça. On est à Bois-Gilet. J'ai des bonus en forêt, vraiment? En rôdeur? Oui, normalement oui. Mais est-ce que dans Advance Donjons et Dragons, ils sont pas dit « Ouais, mais bon, t'as pas joué mage. » Genre. Parce que en général, dans les Baldur's Gate ou les Advance... ou les Donjons et Dragons, en général, bizarrement, si t'es pas mage, bah disons que... Donc t'avances pas grand chose quoi. Allez, on va faire dodo ici. Hein. Je pense que c'est le bon endroit, hein, au milieu des araignées. Part sur le fait qu'on est tout le monde est niveau 2. Voilà, maintenant on a fait... Ah, niveau 3 peut-être pour... Ah non, niveau 3, voilà. Hop, niveau supérieur. Voilà, donc j'ai gagné des points de vie supplémentaires. Regardez-moi cette qualité de passage de niveau aussi. Aucun point de compétence, aucun talent. Par contre, vu que c'est une personne qui fait du cac, bah voilà, tu gagnes des points de vie. Et après, t'as une connaissance augmentée de 1, mais une connaissance, super. La connaissance de quoi? 7. Réputation moyen. Il est vachement nul. Regardez. Ah, niveau 4 Trazad quand même. Niveau 3 Dorne, ok. Multiclassé, niveau 3 pour... ok. Niveau 4. Niveau 3. Bon, ça va, en fait. Je pensais qu'on avait que niveau 2, mais en vrai... on commence à avoir du niveau. Mais oui, donc du coup, je suis tracker... enfin, Roland de la Tour-Brosson est tracker rôdeur. Du coup, les personnes que je hais le plus, c'est les ombres. Logique, parce que c'est un rôdeur et... C'est un rôdeur et un tracker. Oui, c'est Baldur's Gate 97, hein, j'imagine que ça rappelle à beaucoup de monde. Voilà, donc du coup j'ai augmenté, parce qu'en fait à la base je crois qu'il y avait déjà deux armes. Mais on a mis armes et bouclier aussi. Et en fait si je switch, normalement ce serait ça, c'est arc long, deux armes si jamais je suis au corps à corps. Arc long je l'ai boosté, parce qu'en fait sinon on survit pas au niveau 1 en vrai. Et vous pouvez voir que je vais mourir, bien sûr, dans pas trop longtemps. Voilà. Le plus puissant, c'était le loup effrayant. Qui était fort. Ah, j'avais pas vu tout ça, les stats, là. Soin de blessure, sort préféré, bien sûr. Arc et flèche, bien sûr. Chapitre, 8%. Partie, 11%. Nombre de tués, 14. Ok, bon, on s'en fiche, en fait. Oui, bien sûr. Mais c'est GOTY, hein. Il paraît que ça a créé après des GOTY 2023, donc du coup, accepter que je souffre en silence, apparemment, je devrais me dire oui, oui, mais les gens, ils ont beaucoup aimé, c'est pas du tout punitif gratuitement, voilà.
Bon, je crois qu'il n'y a plus d'araignées dans ce coin-là. Bon. Regardons notre map. Voilà. Donc, on est à Bois-Gilet. On n'a pas fait ce côté-là. Parce qu'en fait, on n'a pas fait trop le bas, là. Et je pense qu'on peut pas trop aller ici, parce que ça a l'air d'être de l'eau. Peut-être par là en dessous, pour arriver par en dessus, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Je pense qu'on va aller là, hein. Voilà. Bien sûr... Ah, c'est vrai, j'avais oublié que les araignées revenaient incessamment sous peu. Le combat, je zoome sur le combat, regardez-moi ces pixels, c'est beau. Regardez-moi, grande stratégie. Je les laisse faire. Voilà. Incroyable. Attendez, je crois que j'ai un truc. Voilà. Merci Roland de la Tour Brosson. Je devrais enregistrer du coup, parce que pour toi, Azur, du coup, tu n'as pas entendu la fabuleuse bio de Roland de la Tour Brosson. Mais peut-être que si on arrive à s'en sortir de Bois-Gilet, déjà tu auras sans doute la mise à jour. Parce que là, en fait, je ne sais plus ce qu'on fait ici. Hein. C'est fait. Dans le journal, ils disent, oui, il faut récupérer... Bon, bah, apparemment, on se tape les... Bon, on va rester un peu ici. Donc, normalement, on est censé s'occuper de... comment ça s'appelle ? De récupérer la cape de Brug. On l'a récupérée. On a récupéré la... Oui, bah, j'imagine bien. Non, mais je suis très heureux de la chance de pouvoir jouer à ce jeu après 26 ans. mais bon, parce qu'avant, je pouvais pas y jouer du tout. Mais l'idée, c'est que, quand même, faut savoir pourquoi on joue au jeu, quoi. Là, c'est principalement parce qu'il y a Donjons et Dragons, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui étaient à fond dessus. Oui, donc du coup, je disais... Oui, on a récupéré l'épée sur le cadavre, et on a déplacé le cadavre aussi à son frère, qui était à l'entrée de... Alors, le frère de je sais plus qui était à l'entrée de Bois-Gilet. Et depuis, nous avons du coup nettoyé cette ruche-là, et je crois que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Donc en fait, Bois-Manteau, je pense que c'est fini. Maintenant, il faut sortir d'ici. J'ai l'impression que c'est ça. Donc, on va sortir, mais je pense que sur le chemin, on va mourir. On va passer par là. Là. Regardons. Voilà. Regardez-moi. Ça, c'est quoi ? Une araignée géante. Bien sûr, elles sont partout. Partout. Je zoome sur le combat, hein, bien sûr. On va zoomer au maximum. Regardez cette qualité de combat. Tactique, hein, bien sûr. D'ailleurs... tactique au point que on va s'amuser comme ça. La tactique. Oh là, incroyable. On continue. Une tâche facile. Je sauvegarde bien sûr. Non mais en fait depuis la dernière fois, c'est-à-dire mardi, je crois. Remarquez que je sauvegarde moins. Non mais Nagual, en plus IBM, rappelons-le, c'était même presque un adjectif pour dire un ordinateur. C'est « j'ai un IBM chez moi ». C'est à ce point-là. Bon allez, vas-y, on part, merci. Bon, on va faire un long chemin, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Du coup, on va aller à Bramical. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. En plus, les Ethercap, là. C'est toujours pas ce que c'est. Si vous avez le wiki pour savoir quelle est cette bestiole, je veux bien savoir, parce que j'ai du mal à comprendre physiquement ce que c'est, à part des petits trolls. C'est fait. Bon, on va... Voilà, hop. Un peu de poison et de volage de vie, s'il vous plaît. Dorme.
Merci. Est-ce que tu peux faire peur aux gens? Non. Les ennemis vous attaquent. Je crois qu'on peut on peut l'extirper, hein, cette... Oui, bien sûr. Ce son, hein. Je vais la récupérer, bien sûr, ultérieurement. Pour pouvoir, bien entendu... Et je trouve que la voix de la narration est vachement bien. Oh là là, nous sommes actuellement en train de gagner. Potentiellement. On va sans doute mourir d'ici peu, hein, mais... Là, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. On va sauver Razad, parce que Razad n'a pas de protection. Voilà. Non, après, on va sauver... Khalid. Hop. Et maintenant, que se passe-t-il? Alors, on va faire sortir Razad de ce combat. Voilà, la qualité du combat était incroyable, appréciée. Est-ce qu'on a de la place là? Non, on n'a plus de place pour récupérer de la tounasse. Faut vendre ici. Bon, vous êtes une bien étrange personne. Mais on te parle pas à toi. Voilà. Comment ça, inventaire plein? Ah oui, c'est pas la même personne, mais c'est normal. J'avais pas sélectionné cette personne-là. Bon, sauvegardons. Dodo. Et on part. On peut pas se reposer. Ah, dans ce genre de truc, on peut pas se reposer. Ah. Ah. C'est nul, on n'est même pas parti. Voilà, c'est mieux. C'est fait. On risque de se faire bomber au clat malgré tout. Hein. Je rappelle que Bras Amical était l'endroit où on est mort 15 millions de fois. Pour 30 Hz de cadençage processeur, c'était une bombe. Bon, je prends tout PC potentiel intéressant parce qu'il faut que je fasse une mise à jour cette année. Hein. Là, c'est plus possible. Ah, je vais bientôt avoir besoin de repos. Je n'ai plus d'ordi. Vous devez réunir actuellement, votre groupe vous êtes sur un laptop. Hein. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oui, bien sûr. Je vous en prie, mais asseyez-vous où vous voulez. Mais c'est ce qu'on fait, hein. Remarque qu'on est rentré directement sans te parler, en fait. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Eh bien, c'est... Écoute... Ah oui, il faut vendre les... Tenez, mon cher, nous avons trouvé des choses par terre. Étrangement, ça fait de la maille. Voilà, moi je... Voilà, hein. Anneau. On vend ça. Voilà, la dague de G on peut garder. On a d'autres choses. Alors ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. Je vends. Ça, je m'en fiche. Je vends. Ah, le tir mortel plus 2, incroyable. Et après, faut identifier. Ah mais j'ai passé un niveau avec Roland Nathan-Bresson. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner avec un peu d'hydromel? Bien entendu, non, on va prendre la bière. Ombre noire. Un peu de rumeur. Ah! Oui, mais ça, on savait déjà. Et on va faire dodo, et vu qu'on n'a pas d'argent, bien entendu, ne regardez pas cet argent. On va dormir pas cher. C'est quoi cet accent brésilien? Je suis où, là? Comment ça? C'est moi qui fais un accent brésilien? C'est un logiciel libre d'analyse du réseau informatique. Oh non, Dorn, ne pars pas, s'il te plaît. Il traîne un Mac classique. Un logiciel libre d'analyse du réseau informatique créé à l'origine par les programmeurs italiens de la Hacking Team. Ah bon? Donc du coup, je vais faire un saut pour déjà notre cher ami Enelintu. Tu te fais attaquer par des logs de hackers, comment ça? Ah, c'est des logs de hackers, d'accord. EtherCap. Ils revendent. Et ils se revendent correct à des collectionneuses si besoin, sûrement basé sur la nostalgie que quand... De quand Apple vendait des trucs décents. Ah, c'est pas moi, d'accord. Apple est mort avec iTunes. Ah, c'est l'aubergiste qui a un accent bizarre. Même pas sûr que ce soit brésilien, d'ailleurs. Je
Étrangement, je suis d'accord avec toi, Nagual. Même avant. Je dirais, attendez. Les G4, les G3, là, les trucs avec la transparence, déjà, c'était pas ouf, je trouve. Et du coup, pas incroyable. Mais oui, au niveau de l'intérieur, c'est-à-dire des logiciels et des softwares qui étaient programmés, à la limite, oui, pourquoi pas, mais les ordinateurs en soi, c'est vrai que c'était pas incroyable. Wow, la référence. Une touche, je vais te time out, hein. Offert à souder, c'est réparable, c'est de la bonne vieille électronique bien de chez nous, à prononcer avec la voix de tu sais qui. Comme de la bonne viande bien de chez nous. Et tu sais qui, est-ce que c'est Franck Brusset qui parle ou Roussel directement? Apple est mort quand il a lâché les cartes mères Power PC pour du Intel. Ah, je m'en rappelle plus. Je ne savais point. Alors, un instant, je voudrais vous parler, oui. Ah oui, j'avais oublié, mais je crois que sa mission, elle est importante, sinon il se barre. Une piste au sujet de l'un de mes anciens compagnons, la nécromancienne Krill. Elle a été aperçue à l'est des mines de Nashkel, mais je n'ai rien de plus précis. J'ai trouvé une femme qui sait où on pourrait trouver Krill, mais elle n'a pas très bien réagi à mon interrogateur. Peut-être qu'un interrogateur n'est pas ouf. Pas incroyable. Peut-être que je manque de doigté, demi-elfe. Mais c'est pour ça que je vous accompagne à travers cette côte isolée. La femme qui possède des informations s'appelle Taris. La dernière fois que je l'ai vue, elle était à Nashkel en train de chercher son mari. Ok, on va aller à Nashkel. Parce qu'on n'a plus rien à faire. À part checker le capitaine Brage et compagnie. C'est fait. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Faut qu'on aille vendre les sorts. Non, les sorts on les a fait. Faut aller identifier. Parce que ça va nous permettre aussi de débloquer les autres quêtes. Bonjour. Nous sommes ici pour pouvoir identifier. Nous avons besoin d'identifier. Identifier. C'est la capitaine. C'est là normalement. Les murmures du silence. Destinés sont la légende à l'une des plus grandes familles de cambrioleurs pour leur déplacement nocturne. Cette cape fut apparemment un succès. Et bien d'accord. Le porteur est indétectable par des moyens magiques tels que les sorts de détection. Ah oh, c'est intéressant. Peut-être qu'on va la garder la cape alors du coup de Brugu. L'anneau. Le disciplineur. Ah bah, il nous a dit... Bon, voilà, ok. Il a dit Nick. On veut identifier tout ça. Baguette de givre. De toute façon, on pourra pas l'utiliser. L'épine de fer, ça a l'air intéressant. La serre de Rachad. Mais voilà, on va la donner à Razad. Et l'épée à deux mains. Fléau d'araignée, voilà. C'est celle qu'on a récupérée. Super. Donc, le fléau d'araignée, est-ce que c'est mieux que... Rancœur? On a l'âme de lune déjà. Protège son possesseur contre tous les sorts qui restreignent le mouvement. Ah, mais on aurait pu l'utiliser tout de suite si on avait un sort d'identification. Si on avait un mage. Comment qu'on fait? On va faire comme ça. Oh, elle est mieux que Rancœur. Incroyable. Mais je crois qu'il a des. Il a des sorts avec Rancœur. Oui, il a un bonus de plus 1, c'est jet de toucher pendant 24 heures. Ça, c'est cool quand même. En fait, il faut jouer le matin avec Rancœur, et après l'après-midi, on joue avec Fléau des araignées. On va le donner directement à notre cher ami Roland de la Tour Bresson. Ça, on va la vendre. Ça, du coup. Pense l'apparence du porteur en zombie. Ah bon? Rongé et souillé comme par de l'acide, enchâssé entre deux épines, un morceau d'argent brut suggère l'image d'un crâne sur un fond noir. Peut-être le symbole de Myrcule, le seigneur de mort. Ok. Ok. Ah oui, mais du coup, faut la vendre, ça. Ça, il faut la vendre, absolument. Ça, c'est pour Azad. Donc, montre-moi. À quoi ça sert? Ça sert. Hein? Taco. Rôle de garde, ok. Facteur de vitesse. Type de compétence. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Donc ça, faut vendre ça. Les trois trucs, faut les vendre. Ça, c'est quoi déjà? Le disciplineur. Ok. Intelligence passe à 3, sagesse passe à 3. Ne peut être ôté. Ah oui, mais ça.
Ah oui, du coup, ça reste à 3, en fait. C'est ça, l'histoire. PowerPC n'était... C'était des bonnes bétaillères. J'ai vu un G4 prendre tellement dans la figure sans broncher. Un pote qui ne comprenait rien à ce qu'il passait, faisait, mais le faisait quand même. Bah du coup, moi, j'ai toujours un G4 qu'il faut que je... que j'utilise pour chronologie, justement. Je ne sais pas, avec Intel, on a pu... Enfin faire des tournées des machines virtuelles Windows, ça a poussé vers plus de compatibilité avant que Apple commence à verrouiller. C'est vrai. Et des bonnes bétaillères, ouais. Quand j'aurai fini mon toit. Peut-être. Ah, t'es en train de faire ton toit, Clem Lulu, du coup tu fais comment? Et puis distille un peu le 120 litres de prune qui est en attente. Ouh là là, 120 litres quand même. Ouais, les jours ne font que 24 heures, mais c'est pour te reposer, je pense, Clem, sur le coup. Ah ouais, vous êtes en train de discuter de l'alcool de prune. Je m'attendais pas à cette discussion le matin. Mais je comprends. Parce qu'il y a quand même 120 litres à distiller, apparemment. A été un G3 Manhattan. La découverte du torrent a eu une raison de sa santé. Mais tu m'étonnes. On n'a jamais utilisé le torrent. Hein. Bon, du coup, on va le vendre, en fait. On va donner tout ça, et on va tout vendre, hein, parce que moi, je veux pas garder ces trucs, hein. Ça a l'air de puer du cul. La cape, c'est la cape de Bruges, normalement. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas marqué cape de Bruges. Et ça, on n'a pas vu, du coup. Taco plus 3, facteur de vitesse, arc long, type en moins de 1. Donc, du coup, si je prends, bah voilà. Et oui. Voilà. Meilleur qu'Alitard. Le tir mortel, ça s'appelle. Incroyable. D'ailleurs, j'ai même plus de... Attends, c'est moi ou il a plus de... il a plus de flèches... Moi, j'utilise des flèches de bourrin. Excusez-moi. D'ailleurs, on va t'équiper avec des flèches de bourrin. On ne trouve plus de bandits depuis qu'on a tué le camp des bandits. Oui, on aurait peut-être dû les garder. Les bandits nous donnaient des flèches gratuites. Une tâche facile. C'est compliqué, là. Donc, Roland de la Tour-Bresson, tu as augmenté d'un niveau... Bon, bah voilà, c'était gratuit, merci. Hein. On a de la vie. Faut qu'on aille vendre ce qui reste. Hein. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Une tâche facile. 120 litres, ça fait 5 litres. Ok. Après, de l'alcool de prune, ça se boit pas vite. Hein, donc. Enfin, j'espère pour toi. Du coup, nous, on veut vendre. C'est Imoen qui a ça. Hop. Hop, hop. Comme ça, on sait de toute façon que notre revendeur officiel, si jamais on en a besoin, est là. Si on a besoin de laisser des... Une tâche facile. Des gens à 3. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Mais quand vous voulez. Donc, on regarde la map, mais je crois qu'on a plus grand chose à faire à part l'histoire de Dorne et le Landrin et Brage. Alors, chaque prologue, rien, on n'a plus rien. Basilus le meurtrier, le livre pour Perle Flamme, qui a Château Fuif, mais le problème c'est qu'on lui a pas donné, je crois. Parle d'un monstre qui s'appelle Basilus, coupable d'avoir tué de nombreux. Hein, offre une prime, je veux le trouver. Il est à Beregost. Ah oui, c'est vrai qu'il faut aller à Beregost du coup. Mais c'était ça, c'était la cape. C'est la brocade par une bande de Talois, ça c'est bon. De notre brève rencontre, j'ai compris que je ferais pratiquement n'importe quoi. Mais tu es où? À Beregost, ok. Bon, on va aller à Beregost, hein, parce que je crois que la plupart des choses nous amènent à Beregost. À part Landrin qui a besoin de sa bouteille qui est à Beregost aussi. Allez, c'est parti. On va à Beregost. Direction Beregost. Voilà. Alors, attendez. Là. Où on va, il n'y a que Beregost. Il n'y a. C'est une double référence. Bon, allez hop. Oui, bien sûr. Je vais. C'est bon, on a sauvegardé là. Je viens de sauvegarder. Il faut pas que je re-sauvegarde. Du
coup, moi, j'ai récupéré quand on change en. Alors, je vous explique pourquoi je parlais du G1-G4 que je dois utiliser pour Chrono. Mais en fait, pour Chrono, l'idée, c'était de commencer Chronologie des femmes artistes, puisqu'on n'avait pas de, on n'avait pas d'apprentissage dans les cours d'art. On n'a pas de chrono, tout simplement, sur deux femmes, principalement des hommes. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'en faire une, pour que ce soit un peu distribuable. Chose qui va bientôt être le cas, d'ailleurs. Il faut juste qu'on se capte avec Nibbler pour ça. Du coup, ça a commencé très simplement, parce que dans l'outil, dans le G4, qui était celui que j'avais au lycée, en accès par le lycée, public, je précise, il y a un super outil qui est, je crois, que soit de l'INHA, soit c'est donc l'Institut National de l'Histoire de l'Art, qui était donc du coup payé par les impôts français à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, et donc du coup qui a à l'intérieur une chronologie, entre autres, ou du moins une sorte de Wikipédia artistique. Avant que Wikipédia existe. Donc, on peut voir un avant grâce à ça. Et j'ai récupéré du coup le G4 au moment où ils ont changé de parterre d'ordinateur. Quoi. On brûle chez où ? À Perleflamme, il est là. On va aller à Maison de Landrin parce qu'on va se retaper encore des araignées. Du coup, de toute façon, il faut aller à Landrin. Il faut trouver la cave. Donc voilà, il faudrait qu'on check pour officialiser, entre guillemets, ce serait le préquel de chronologie du coup des femmes artistes, et de faire le préquel après avant l'épisode 1, faire comme une Star Wars. Vous connaissez Star Wars, cette petite, une tâche petite franchise là. Du coup, de pouvoir vous montrer que oui, l'apprentissage était compliqué hein, quand même. Hein. Je m'en vais. On avait ouvert ça, oui. Ah, les bottes usées. Alors c'est où la descente ? Et maintenant, c'est fait. C'est où qu'on descend dans la cave ? Parce que ça, c'est la maison de Landrin. Du coup, logiquement, la cave, elle est là. Non. Attendez, parce que je crois qu'il y a un truc pour vous dire partie où on peut aller. Attendez, on peut aller là hein. Là ? C'est ça la cave ? Bon, ça c'est pratique, hein, mais je pense que ça c'était dans Enhanced Edition avant tu galérais. Bon, alors peut-être que la cave n'est pas ici, on va peut-être aller derrière. Peut-être que c'est derrière la cave. Là ? Peut-être de journée ça serait bien. On va peut-être mieux. J'ai pas l'écran avec parce que j'ai pas besoin. Une tâche facile. Oui, je sais. Mais en fait, j'ai un. Je sais plus ce que j'ai. J'ai moyen de faire les switch. PC. Je crois que je l'ai déjà fait en HDMI en fait. J'ai déjà testé en vrai. Pour pouvoir préparer le préquel. C'est juste qu'on n'a pas le time avec, Nibbler. Besoin de sensation, mon lapin ? Ok. Je crois qu'on ne trouve pas de. On trouve pas de cave. Hein. Je ne sais pas où est la cave de Landrin. La cave à vin. Peut-être qu'on a déjà vendu la bouteille, remarque. Alors, payé par nos impôts, pas vraiment. Alors comment dire que j'ai. Oui, si, mais en vrai, le truc, c'est surtout que y avait la possibilité pour des personnes qui n'avaient pas de accès à ce genre de matos de pouvoir les récupérer à un moment donné. Je ne citerai pas comment j'ai fait. Mais quand il y a eu un changement de matériel, mais c'est pareil, tu vois, par exemple, il y avait une sorte de labo photo, personne ne l'a utilisé à part moi.
Et en fait, ça aussi, c'était payé par les impôts et personne ne l'utilisait, mais genre depuis masse de temps, parce que c'était le numérique, le début du numérique. C'est pas le seul, le seul gars à me dire, bah ouais, mais on peut faire quand même des trucs, il y a quand même des outils. Mais oui, c'était changement de matériel, donc du coup, c'est pour éviter que ce soit bazardé, alors qu'en fait, c'est quand même... Enfin, c'était... Je précise, parce que c'est quand même des bestioles, hein, qui fonctionnent bien. Quand tu les sur... Oui, bien sûr. Quand tu les sur travailles pas, et que tu... Ah. Moi, je m'en vais. Alors, regardez-moi ça. Non, on n'est pas du tout en train de crocheter votre... Les rigos, c'était bon moins faire. Les drosophiles. Oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que ça veut dire quelque chose. C'est intéressant. Bon, en vrai, on va pas tarder. Hein. J'ai l'impression qu'on est revenu à Berrigos, oui, mais je ne sais sûr. Pas où on doit aller. Je pense qu'on va aller à une auberge. Je pense qu'il doit y avoir Bruges dans l'auberge, quelque part. On va lui donner sa cape. Gurk. Je dis Bruges depuis le début, mais c'est Gurk. Ah non, Bruges, c'est fait de revêt. Mais je pense qu'il est dans la seule auberge qu'on a pu traîner. Parce que la dernière fois, on s'était fait bomboclat, je rappelle, dans Berrigos. Ah, voilà, c'était fait de poste, je pense. C'est l'auberge de riche. Je pense que... voilà. Voilà, on a évité tout ce chemin-là, parce que je sais qu'il y a une des compagnons que je pourrais aimer, apprécier, avoir. Qui est la seule mage que j'apprécie, je pense... qui est là. Sauf que le problème, c'est que ça déclenche un combat. J'ai pas envie. Et du coup, l'auberge de la Gerbe Rouge, bah, il y avait Silk qui était... Bah, on va peut-être gérer Silk avant de finir. Qui nous bloquait le chemin. La mouche à vinaigre. Ah oui, indeed. Oui, bien sûr. Bruges. Roturier, non. Marl, non. Duncan, non. Gurk. Gurk, il doit être en niveau en haut, en fait. C'est fait. Bon, c'est du côté des riches, donc c'est possible qu'il soit pas là. Hein. Je sais plus où il est. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour. Excusez-moi, on est rentré à 5. Hein. Ah, non. Il n'y a pas un niveau en plus, là? Non. Y'a qu'un niveau. Ah oui, c'est que les riches. Y'a que ce niveau-là. Tâche facile. Ah ah. Donc, il est à Foldpost. Je sais plus où il est. Où est Gurk? Where is Gurk? Gurk. Oui, bien sûr. Mais il était pas là, Gurk. On peut pas dormir dans la ville, en plus, de mémoire. Bon, attendez, faut que j'aille aux toilettes, en plus. Oh là là. Mon Dieu. Comment je vais faire? Bon, je me mets en pause. 3 secondes. Avec ces cris de chouol. Je reviens. Rapidement, normalement, ça devrait être bon. Voilà.
Ok, re. Je remets le... J'ai pas mis mon deck, hein, ça se voit. Je crois que le deck a décidé de quitter. De quoi? Je suis sûr que la Vierge Lunaire désapprouve ce genre d'inactivité. Bien sûr. Je pense que c'est pour ça que les dieux existent, d'ailleurs, notre cher Razad. Bon. Je réfléchis à ce qu'on peut faire. Ah bah le jongleur jovial, mais voilà, il doit être là-bas. Gurk. C'est fait. J'espère que vous appréciez cette lumière bleue. Incroyable. Mais arrêtez de bouger, j'essaie de vous parler. Björnin, c'est que fait. Voulez-vous? Avez-vous essayé vos armes sur ces deux meilleurs? Bah j'ai pas fini encore. Voilà, Gurk. Voilà. Écoutez-moi le camp. Maintenant que je suis devenu la vedette, il y a du fric à faire. Perdre cette cape, c'était la meilleure chose qui me pouvait arriver. Plus besoin de se crever pour survivre. Finissez la belle vie, gardez-la, cette modicap et bon débarras. Merci. Et tout ça pour rien. Il me semble que ses malheurs aient fait de lui une sorte de héros à Berigos. On lui jette des pièces pour avoir le privilège de l'entendre narrer ses prétendus exploits. Très peu pour moi qu'il aille au diable, ainsi que la cape qu'il m'a laissée. Bon, du coup, Eimoen, t'as gagné une cape. Je pense que ça sera pour toi. Vu que tu as besoin de te cacher dans les ombres. Que, par exemple, tu as de quoi de porter cette cape. Voilà. Dans le discours de... Alors, attends, je regarde. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est la blague des Ethercap ou pas? Des développeurs Ethercap? Ah! En 3D et tout, la grande qualité. C'est des taupes en fait. C'est des taupes les Ethercap, c'est incroyable. Des taupes modifiées. 300 d'expérience. 300 d'expérience pour ça. Bon, de toute façon, on s'en fiche. Ah oui, 300 d'expérience pour avoir juste pas ramené sa cape. Bon, ça va. Du coup, on a fait ça. Ça devait être une quête annexe, hein, j'imagine. Les possessions de Landrin. Bah oui, ça, on l'a fait. Et du coup, les possessions de Landrin... Le deuxième truc, c'est... Ah oui, l'histoire du Capitaine Bras, je sais même pas où il est. On le cherche. Il est où? Les loups des glaces, on pourrait aller faire ça. Donc les possessions de Landrin. Elle insiste pour que j'aille chercher sa précieuse bouteille de vin dans la cave de sa maison à Berigost. J'ai besoin d'une bonne vieille bière. Apparemment trop paresseuse pour descendre ces escaliers et en acheter une auprès du tenancier. C'est une araignée, je pense. Je dis ça comme ça. Je pense que on va prendre cher. Alors si on a vendu une bouteille, c'est ici, je pense. Possible. Berber. Avez-vous acheté une... Ah bah non. C'est pas vous qui avez acheté apparemment. Bon. Bah on a fait le tour hein, de Berigost, je crois. On n'a plus rien à faire ici. À part les possessions de Landrin. Peut-être qu'on va lui... Attendez, on va lui payer ça. On va aller... C'est une auberge, on peut dormir ou pas hein, je sais plus. Je viens de voir, j'ai même pas vu. Un Pathfinder, le suite non officiel des Advance. Ah, ok. Bon, allez hop, nous on est trop pauvres. Hein. Ah, on est dispersé. Pourquoi? C'est tout. Mais qu'est-ce que vous faites? Ceci est un bug. Hein. Ouais, merci. On peut rentrer? J'en ai assez. C'est fait. Non, j'aurais pas vu. J'ai presque rien bu, sachant que les potions
de soins coûte 212 balles. Donc même les pots de soins, j'en achète pas. J'en ai acheté genre 5. Et depuis, je ne me soigne plus. Maintenant, je fais de l'automédication. Je dors. Oui, bien sûr. Bon, alors, est-ce qu'on trouve cette cave? Qu'est-ce que... Où est la cave? Je comprends pas. On peut aller jusque là derrière. Là. Chose qu'on a sans doute pas fait. On peut aller... Il doit y avoir une entrée quelque part. Hein. Oui, bien sûr. L'entrée de la cave de Londrin, je ne comprends pas. Parce que là, c'est sa maison. À part un truc verrouillé potentiellement que je n'ai pas réussi à déverrouiller, je ne vois pas où est l'entrée de la cave. Ah mais du coup elle a un petit... Elle a un petit symbole là. Le petit symbole. Vous avez vu ou pas? Non détectable. Incroyable, tu es non détectable, du coup. Très bien. Une tâche facile. Je me demande si je devrais pas la donner à Razad, du coup, cette cape. Parce qu'elle a 10 sens, elle. On va la donner à Razad. Razad, il va être au corps à corps, je pense que ça peut être pas mal. Non détectable au corps à corps. Peut-être qu'il faudrait qu'on l'équipe d'armure un jour, quelque chose. Il n'a rien du tout. Bon. Bon, on va les régler, Silk. Je pense que on a attendu trop longtemps. La dernière fois, il nous avait bomboclate avec ses... parce qu'il y avait des mages en histoire. Mais là, je pense qu'on va bomboclate Silk, que ça va nous ouvrir la possibilité d'aller là. Qui est une auberge, je pense. Sauvegardons. Allez. Alors, attendez. On va se mettre position de position d'attaque. C'est fait. Mettons-nous à distance. Et le corps à corps, au corps à corps. Voilà, bonjour. Mes hommages, mercenaires. Je suis Silk, artiste extraordinaire. Ah, tu penses? Bah, on verra. Mais en fait, Garrick, par exemple, je vais dire non, du coup. Donc, le but, c'est qu'il nous a menti. Parce que les Power Rangers arrivent et ça ressemble à... Menu selon votre volonté. Ah oui, donc du coup, il essaye de les piéger. Je ne serai pas une proie facile. J'ai amené des amis. De quoi parlez-vous? Nous avons apporté les gemmes que... Nous ne serons pas des hommes qui sont visiblement innocents. Voilà. Et donc du coup, là, il s'énerve. On le bomboclate gratuitement. Oh bah c'était rapide. On a pas du tout volé tout de suite. Bah oui, la première fois en fait tu peux pas, le niveau 1 c'est pas possible. Mais là il est décédé parce que notre cher Roland de Tombrosson avec cette arc a lancé une de ses flèches parce qu'on a plus... On a plus de flèches pas vénères. Donc il lui a lancé une flèche de glace dans la tête. C'était suffisant apparemment. Voilà, un peu... Ouais, maintenant tu vas devenir invulnérable aussi. Comme ça, c'est gratuit. Bon, bah voilà. Ah tiens, il y a... Dorn, il a sorti un truc. Il a une protection action libre. Intéressant, je sais pas ce que ça veut dire. J'imagine que son intelligence artificielle c'est n'est fait. Pas ChatGPT friendly. Voilà, maintenant qu'il est mort, on peut aller dans la... juste à côté. Garrick, bonjour. J'ai une offre à vous faire. J'ai entendu dire que vous formiez un excellent groupe de gars et ça vous dirait un travail bien payé comme des gardes du corps de ma maîtresse. Ah, voilà. Non. En fait, je vais dire oui, mais le problème, c'est que... Silk est morte, oui. C'est la meilleure musicienne et actrice de tous les codes de... En fait, elle va jouer au Palais Ducal. On ne peut pas lui reprocher de ne pas être sainte, mais... nous n'avons besoin de personne pour l'instant. Voilà.
Elle est décédée. En fait, t'étais là, hein. C'est bizarre. Bonjour la compagnie. Potion de défense. On pourrait récupérer toutes les gemmes, mais ils ont décidé de pas nous les donner. C'est verrouillé. Votre fin est proche. Ah oui, j'avais oublié que à chaque entrée d'auberge, on se fait défoncer par des mercenaires. Votre fin est proche, on parie. Oh, je pire que j'ai craint que vous ne compreniez. Moi, j'ai bien peur qu'il ne vous reste pas. J'arrive pas à lire. Pourquoi vous faites cela? Je ne vous ai rien fait. Que je sache, vous n'avez rien fait à personne. Je m'en moque éperdument. Un sou est un sou, une tête est une tête. Et quand les deux se rencontrent, le vieux Carlat de Gan s'accroute. C'est vraiment, mais vraiment, je n'ai rien contre vous. Quoi, fallait pas la tuer, Silk? Elle essaye de nous carotter avec les gemmes. Elle nous a embauché à 300 balles. Enfin, Garrick nous a embauché à 300 balles pour sauver Silk. Dans la discussion, les gens, ils disent « Ouais, on a ramené tes gemmes comme tu veux, et nous, on doit les tuer. » Donc du coup, j'ai tué Silk. Je lui ai dit « Bah en fait, non, je vais pas tuer des gens innocents. » Fallait pas. Bon, voilà, bah merde. Passons aux choses sérieuses maintenant. Je sais pas, hein, ça se trouve, ça débloche quelqu'un, un truc, je sais pas. Par ici. Alors, Carla, t'as décidé de bombe au clat Imoen. Excusez-nous, on est arrivé, on a tué un mec en plein milieu de votre restaurant. Désolé, hein. Je crois que c'est lui qui a les haches de... Ouais, avez-vous besoin de mes services? Hache d'armes. Mais on peut faire une double hache d'armes, j'imagine. Ça augmente pas, hein. Bonjour, bonjour. Une tâche facile. Eh, c'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi. Mais en fait, il faut que je leur dise, mais les bandits sont morts. Ma femme a chauffé les oreilles. Oui, c'est moi. Roland de la Tour Brosson, ça devrait me dire quelque chose. Ah bon? Donc ils savent pas que c'est moi, d'accord. C'est déjà, au moins, il y a un gars qui me cherche. Il veut me tuer en plein milieu de leur resto. Mais ils me connaissent pas. C'est un vrai plaisir de rencontrer. Voilà, lui il me connaît. Oui, on a sauvé les mines. Bien sûr qu'on a sauvé les mines, mais depuis, ça ne change rien. Oui, elles sont prêtes à rouvrir, mais bien sûr, ça rouvrira quand on aura fini la quête. Bonjour, monsieur. Perdué. Des choses bizarres se préparent depuis un moment. J'aurais pas vu par hasard un grand type à mine de butor recouvert d'une tête de chien. Mais c'est Dorn, non? Une haleine a décollé... Mais c'est Dorn, ça? Ah, attendez, c'est un worg, je crois. Un gnoll. Oh, je me rappelle plus. C'est un des deux, c'est pas un grouilleux en tout cas. Je dirais que c'est un worg, cet idiot de petit homme. Attendez, on va recommencer. Oh non! On aurait peut-être gagné des trucs. Bon, vu qu'on est nul, on rappelle l'âge de nom. C'est fait. Voilà. Heureux de vous connaître. Raléo, lance-vent. Les voyageurs sont les bienvenus, je me présente. Ouais, je ne crois pas qu'on se connaisse. Peut-être que vous devriez arriver dans cette ville, je fais tout pour rencontrer le plus de gens possible. Que pouvez-vous dire? Ouais. Pas mal de gens. Il y a plus d'une personne bien intentionnée. Je sais que Dame Myriane attend des nouvelles de son mari depuis un certain temps. Elle devrait rentrer Dame, mais toujours personne. Elle donnerait n'importe quoi pour avoir des nouvelles. Et bah, je crois que c'est elle, la dame qui cherche son mari, qu'on devait rencontrer à Berigost. Myriane, du coup. Rien de précis, je suis ici en visite. A dû pas mal le ressentir. C'est un forgeron de genoux, mais il est du temps libre à ne plus savoir qu'en faire. Sa boutique est encore bien garnie, mais je crois qu'il cherche d'autres matériaux à travailler. Ok. Les emplettes. Ce n'est pas donné, si vous êtes... Non, je conseille... Il tient un magasin, même s'il accueille fort mal les clients. Croyez-moi, si vous allez, il n'y en a pas. Ok.
Eh bien, merci, MJ, maître du jeu, qui nous aide à nous organiser. Bon. J'en ai assez. Ouvert, hein. Y'a rien. Humaine, vas-y. Aha. On va pouvoir revendre ça aussi. Faut que j'y aille, hein. Je traîne, là. Faut que j'y aille, vraiment. Je vais raid quelqu'un. Est-ce que vous avez des gens déjà à proposer? Comme ça, on va trois fois plus vite. Je pense je vais dépouiller cette auberge et après on va la quitter. Bon, là, tu réussis tous tes jets, hein. C'est beau. Ça se vend aussi. Il y a un moment où on va se faire bouclade par quelqu'un, il y aura quelqu'un. Ah, raté. Ah. Ah, voilà. Non. Je ne veux pas de ça. Oui. Bah ouais, parce que c'est nécessaire. Hein. Je prends 10 points d'expérience, c'est pas mal. Hein. Une tâche facile. De toute façon, elle a tellement eu du mal à ouvrir plein de trucs, Imoen. Alors, Résurgence, j'ai jamais vu, du coup, je vais préférer Alice sur le coup. Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. J'en ai assez. Et vous savez quoi? On va lancer le raid, maintenant. Et je vais sauvegarder pendant que ça commence. Voilà. Merci d'avoir été là, vous étiez beaucoup aujourd'hui. De vous voir quand même discuter. On voit plus rien. Bon. Très content, merci à Twitch chat. Et cette grande barre. Bon, il reste une minute. Salut petit cancanou, je n'avais point vu. Attends, je te fais un shoot-out. Bien sûr, tapez point d'exclamation cancan. Petite pause entre deux réunions. Bon, oui, bon courage. Alors attendez, il faut que je sauvegarde et que je. Voilà. Là où on va, on est à Berregost, déjà c'est bon. On va supprimer tous nos trucs qu'on n'a pas besoin. Parce que j'ai. L'habitude. Ne jamais revenir en arrière. Toujours avancer, bien sûr. Ouais, bah je restream du coup les matinées. Je suis désolé, c'est en matinée, hein, mais bon, voilà. Tous les jours. Alors, en ce moment, c'est surtout le mardi, jeudi, vendredi. Oui. Voilà. Bon, see you soon. À plus. Merci d'avoir été là.